Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un Instagram contrôle ma vie. C'est parti, on va commencer avec le premier sondage que j'avais demandé aux abonnés sur Instagram. Alors du coup le premier sondage c'est: est-ce que je dors dans un sac de couchage ou sous le drap? Et évidemment il y a eu 60% de personnes qui veulent que je dorme dans un sac de couchage. Donc c'est parti. Bon voilà, du coup le sac de couchage est prêt et je vais aller dormir directement dedans. Allez, à demain. Yo tout le monde! On va passer au sondage suivant. Un abonné m'a demandé de faire soit une heure de sport en caleçon, soit en tenue sportive. Et évidemment, il y a eu 54% de personnes qui veulent que je le fasse en caleçon. J'avoue que vous abusez un peu, mais bon, on va le faire, ça fait partie du challenge. Alors c'est parti, il est 9h53 et je vais donc faire la séance de sport. On va faire des séries de 20 squats et je pense que je vais en faire 3 séries. Allez, c'est parti, enfin les pompes. Let's go, on va faire des burpees. Du coup on va passer au prochain défi. En fait j'appelle ça des défis parce que franchement ce que vous me proposez c'est assez hard. Là vous allez encore kiffer. C'était du coup de prendre soit une douche froide, soit une douche chaude. Et là on va prendre du coup une douche froide puisque vous avez été 63% à vouloir que je prenne une douche bien froide. Allez let's go. C'est parti du coup, là je vais aller dans la douche bien froide. J'ai aussi remarqué qu'à chaque fois que je fais une vidéo challenge, vous me demandez de prendre des douches froides. Je sais pas ce que vous avez avec les douches froides, mais en tout cas moi je suis pas trop fan, mais j'ai pas le choix, c'est le challenge. Donc on va mettre de l'eau bien froide. 3, 2, 1. Attends, on va mettre de l'eau là. Ah, j'avoue, j'ai plus trop l'habitude. Ah, franchement les abonnés, vous abusez avec vos défis. Hein. Du coup c'est parti, je vais m'habiller. On va commencer déjà par mettre le pantalon. Ensuite, on va regarder quel vêtement on va mettre parce que je sais pas quoi mettre. Allez, un petit col roulé, ça fait plaisir. Pour ce midi, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, il est plus midi, évidemment, il est 14h quasiment. Et je me suis fait des raviolis avec des petits pois et des œufs. Et ça va être excellent! Le moment de manger et après on se retrouve pour le prochain défi, entre guillemets, bien sûr. Alors c'est parti, on va regarder le prochain défi. Du coup, j'avais demandé aux abonnés s'ils voulaient que je lise un livre pendant 30 minutes ou s'ils voulaient que je dessine. Et évidemment, ils ont été 75% à voter pour que je dessine. Du coup, c'est parti, donc j'ai regardé et j'ai trouvé un dessin. Et donc j'ai choisi de reproduire ce dessin-là. Alors je sais pas comment je vais faire parce que... voilà, je ne sais pas dessiner de base. Du coup, je vais essayer de tenter de redessiner ce dessin et on va voir ce que ça va donner. Voilà, du coup, j'ai pris les crayons et le stylo et on va commencer à dessiner. Il est exactement 14h33, donc à 15h03, je vais devoir arrêter le dessin et on va voir ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est parti, je vais sortir un petit crayon. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Donc il faudrait que je fasse ça. Et non, c'est pas ça. Ah, ça ressemble un peu plus. En fait, il y a un truc qui cloche. Attends, c'est un peu bizarre, mais ça marche. On lui dessine des petits yeux. Waouh! Oh non! Du coup, on va prolonger ça. Là, c'est mieux. Il va falloir lui dessiner 3 petits poils. 1, 2 et 3. Est-ce que vous pensez que je vais réussir le dessin? D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais non, là tu remontes pas, là tu dessines sur le côté. Ah, c'est bizarre en vrai. Voilà, une oreille qui part en cacahuète, tu sais pas pourquoi. Alors, pourquoi il a un carré derrière la tête? Ça, j'en sais rien. C'est très très suspect. Il reste 20 minutes. Waouh, faut se grouiller là. Alors, attendez, on va faire la petite ceinture. Non, la fermeture, je veux dire. Donc on prend cette fois-ci le stylo et on va faire tout le contour. Alors là, ça va être chaud. Il reste 10 minutes quasiment. En fait, il reste 14 minutes. Yes! Du coup, je viens de finir le dessin. On va aller gommer tout ça et après, ce sera bon.
ça y est, du coup, je viens de finir de dessiner. Ça ressemble à ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires quelle note vous mettez à ce dessin. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est pas beau? Est-ce qu'il ressemble au premier dessin que j'ai montré? Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, c'est un petit dessin que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mis 24 minutes pour faire ce dessin alors que j'étais censé en mettre 30 minutes. Mais finalement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. J'avais tellement peur de pas pouvoir le finir. Incroyable. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle note vous mettrez. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher votre plus gros pouce bleu. On va se retrouver demain pour la prochaine vidéo. À très vite et à demain.